Alors, ce sont plusieurs centaines de milliers d'hommes qui se lèvent pour résister à l'occupation nazie, une occupation d'une violence à l'Est inouïe. Ce sont des petits groupes d'hommes à l'origine qui sont essentiellement soit pour une toute petite minorité, des gens qui, dès le début, dès l'été 41, refusent d'abandonner l'URSS, refusent l'occupation nazie. Mais ce sont surtout, à partir de 1942, d'anciens officiers de l'armée rouge, quelques juifs, des soldats, qui se rendent compte qu'il est impossible pour eux de survivre sous l'occupation allemande et qui, du coup, se regroupent pour essayer de s'organiser et forment le noyau dur d'unités qui vont ensuite attirer essentiellement des jeunes ruraux, des jeunes paysans, des gens qui ne trouvent pas leur place sous l'ordre allemand et s'engagent donc dans cette résistance. Ils s'engagent dans une guerre de guérilla relativement traditionnelle, une guerre de guérilla qui donc se fait à l'arrière de l'armée allemande, qui est une sorte de compromis entre les objectifs de Moscou qui sont orientés vers le sabotage des voies ferrées en particulier, mais des voies de communication en général, l'espionnage bien entendu, et des actions terroristes, et des objectifs, eux, plus locaux, qui sont des objectifs plus classiques finalement de guérilla, de contrôle du territoire, de contrôle des populations, de mobilisation des populations, ce qui entraîne aussi déclenchement de dynamiques de guerre civile, puisque c'est dans une lutte pour ces contrôles du village, de la forêt, qu'ils se battent contre les policiers, les collaborateurs. À l'issue de la guerre, ils deviennent des héros centraux de la mythologie soviétique autour de ce qu'on appelle là-bas la Grande Guerre patriotique, en référence à la guerre patriotique contre Napoléon. Donc héros mythifiés, héros aussi de toute une littérature de jeunesse par exemple, mais alors que le discours sur ces héros est omniprésent, ils sont très rapidement mis à l'écart par le pouvoir stalinien qui n'a absolument aucune envie ou intérêt de mettre en avant ces hommes qui ont une légitimité propre et ont fait une guerre loin du contrôle de Staline.